fais genre qu'on voit pas la barrette qui sert à aplatir ma frange, ok? Salut les moches, c'est Carotte, et bienvenue dans une nouvelle vidéo propulsée par mademoiselle.com. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes tendances mode préférées de l'été. Alors cette vidéo ne sera pas exhaustive puisqu'il existe plein de tendances mode dans la vie. Mais moi du coup, je vais te parler de celles qui me pimpent le plus. Si tu aimes les tendances mode, si tu aimes découvrir les nouvelles tendances mode et tout ça, viens sur la rubrique mode de Mademoiselle parce que c'est là finalement que je te les liste et que je t'en parle au quotidien. Alors on commence tout de suite avec l'une de mes tendances préférées. Ce sera pas dans l'ordre, hein. je n'ai pas d'ordre, c'est juste 10 tendances que j'adore comme ça, donc je les balance. La première tendance que j'aime beaucoup, ce n'est autre que la tendance nuisette. Comme son nom l'indique, en fait c'est une tendance, nuisette. En fait tu vois la nuisette, tu vois la petite robe comme ça avec la bretelle, enfin, là c'est un haut mais tu vois ce genre là, comme ça ça fait une nuisette. Bon, et bien maintenant imagine qu'il n'y a pas la dentelle et que c'est juste une nuisette satinée comme ça, tu vois. Un petit peu comme un dessous de robe, tu vois ce genre de nuisette. Ça c'est la mode de l'été en termes de robe. Et donc la robe nuisette c'était très à la mode dans les années fin 90, début 2000 et tout, mais pour le coup il y avait pas mal de dentelles dessus, pas mal de fioritures, etc. Et là en fait c'est vraiment un modèle épuré. Sauf que comme c'est la mode et que les tendances finissent toujours par muter un petit peu, je pense qu'il y aura de plus en plus de modèles avec peut-être des imprimés, tout nouveau, de la dentelle, etc. Parce que les gens ils vont être là, waouh, c'est la tendance nuisette. Donc du coup les gens vont ressortir leur nuisette et peut-être il y aura de la dentelle dessus, tu vois ce que je veux dire. Et petit à petit cette mode va évoluer forcément. Mais dans cette tendance nuisette il y a aussi un autre pendant qui est la nuisette vraiment, tu sais, en coton, imprimé, vraiment très très pyjama, tu vois, la petite nuisette avec peut-être le petit nœud là, tu sais, bien ça aussi, c'est tendance finalement. Et donc si tu veux une petite nuisette très confortable, sexy, naninala, tu peux prendre le modèle court et mettre par exemple des sneakers, je recommande. Ou si tu veux un look chic de soirée, tu vois, tu prends la nuisette longue, satinée là, hop, une paire de sandales à talons, petit sac à main, et magnifique. Chicos, chicos, qui dit chicos? Personne. Le cardigan qui se porte comme un top, il se ferme comme ça, tu le portes et hop hop hop, c'est ton top. Alors là tu te dis mais c'est peut-être un petit peu chaud pour une tendance d'été, mais pas du tout parce qu'en fait il se fait crop. Le cardigan là qui a la mode, il est crop. Il y a parfois des manches courtes ou mi-longues, pas sans manches, sinon là c'est un gilet, mais des petites manches parfois courtes ou mi-longues, mais parfois longues aussi. Et il est souvent dans des coloris pastel et uni. Donc il va être uni et parfois il est bicolore, donc on va y avoir une bordure sur le col comme ça, ou sur les manches comme ça, mais ça reste toujours des couleurs, tu vois, vraiment genre des blocs de couleurs. Et parfois aussi tu vas avoir un petit bouton en haut et ensuite ce sera ouvert comme ça. Si tu veux que ce soit sécurisé, évidemment tu peux mettre une brassière en dessous, mais ce qui est joli aussi c'est qu'il n'y ait pas de débardeur en dessous, mais en fait tu peux aussi en mettre un. Enfin en fait tu fais ce que tu veux dans la vie, ok? Moi, je te dis juste qu'il y a la mode. La meuf s'énerve. Le cardigan. Ce cardigan, figure-toi, je le veux. J'adore cette tendance. Sauf que on en trouve pléthore de chez pléthore sur certains sites que je ne nommerai pas mais que tu connais, qui sont des grands sites de grande diffusion où il y a plein de choses dessus. Et j'ai très envie d'en acheter un là-bas, sauf que j'ai pour règle de d'abord chercher genre en fripe. Et si vraiment je trouve pas, me tourner vers ce genre de site. Sauf que j'ai pas trouvé un fripe. J'ai pas trouvé. Bon, j'ai fait une fripe. Mais voilà, il faut que je trouve ce cardigan, ok? Parce que c'est trop beau. Et je me suis dit, bah, en fripe, ils en ont forcément. Mais ils en ont pas. Mais c'est pas possible. Alors, il faut que j'y retourne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'aime déjà dans la vie? Ma prochaine tendance que j'adore dans l'été, ça veut rien dire, c'est les Mary Jane. Alors déjà, petit rappel de ce que c'est les Mary Jane, c'est ceci, qui est un peu la même chose que les babies, mais à talons. Les Mary Jane auraient dû être à la mode cet été, car finalement, elles étaient sur tous les défilés de mode de la Fashion Week printemps-été 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais là, ouais, trop bien, des Mary Jane, et en fait, il y en a nulle part. Alors moi je me dis, c'est surtout une tendance du printemps, parce que tu vois, c'est des chaussures fermées, un petit peu chaudes. Là du coup, cet été, eh ben, c'est un peu trop tard, vu que c'est des chaussures, comme je disais, qui tiennent un peu chaud, et que si elles se développent, ce sera du coup plus tard, en automne, et j'espère que ce sera le cas, car j'en veux. J'en avais vu une paire rose, c'était trop beau, c'était magnifique, en plus c'était à plateforme. Car oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que les Mary Jane, c'est pas juste des petites chaussures comme ça, un petit peu ennuyeuses. Non, en ce moment elles se font sur tous les modèles, elles se font talons, elles se font à plateforme, elles se font avec des talons ultra chunky comme ça là. Donc moi je trouve que c'est joli les Mary Jane quand ça se porte avec des petites chaussettes qui dépassent, des chaussettes qui dépassent. Et donc j'ai très hâte. Mais voilà, c'était censé être à la mode, mais ça ne l'est pas. Je voulais quand même t'en parler, ok? Prépare-toi. Une autre tendance de l'été qui revient et que j'adore, c'est le tie and dye. Ouais, le tie-dye, je sais pas pourquoi je parle comme ça. En fait, ma voix a baissé et j'ai décidé de continuer dans ces tons-là, mais en fait, c'était pas une bonne idée parce que maintenant, on dirait ma grand-mère. I love you, grand-mère, mais c'est pas ma voix. Le tie-dye. Et je suis très contente que ça revienne car l'année dernière, j'en ai acheté plein. Je suis entrée chez Mad Vintage et là, mon cerveau a fait, enfin, ma vision laser à pièces fétiches de friperie, ça veut rien dire, a fait tie-dye, tie-dye, tie-dye. Et vraiment, j'ai mis exactement 3 minutes dans ce magasin. J'ai foncé sur un truc en tie-dye, foncé sur un autre, foncé sur un troisième. Ils m'allaient tous et j'ai tout acheté. Et depuis, j'ai plein de tie-dye. Et j'adore ça parce qu'en plus, je les ai achetés dans des tons évidemment
rose, rose et violet. Justement, là, je te parle de ton rose et violet, c'est parce que le tie-dye, en ce moment, il est pas comme le tie-dye, tu vois, des années 90, ultra flashy, très festival hippie, tu vois. Il est vraiment dans les tons pastels, encore une fois, parce que le pastel, comme tu l'as compris, c'est un peu les tons du moment, tu vois, c'est la palette du moment, c'est les petites couleurs pastel, claires, mignonnes. Une autre tendance de l'été que j'aime beaucoup, c'est le bandana. J'adore le bandana parce que, en fait, tu le fous comme ça sur ta tête, tu fais un nœud et t'es coiffé, putain. C'est trop bien, c'est trop bien. Qui n'a pas envie d'être coiffé en 2 secondes? Eh bien, moi, je vais te le dire, moi, j'ai envie d'être coiffé en 2 secondes parce que tu vois, là, je suis obligée de mettre une barrette sur ma frange pour l'aplatir. Je me suis dit, ni langue du feu, ni langue du feu. Mais pas du tout, en fait, on la voit de ouf. Alors que si j'avais mis un bandana, tout simplement, eh ben là, tu vois, ce serait aplati, ce serait beau. J'aurais bonne idée de comme ça. Donc, le bandana, c'est génial. Alors, achète un bandana, je le recommande à toute personne complexée sur sa frange. Également, ne fais jamais de frange. La prochaine tendance de l'été que j'adore vraiment beaucoup et qui est là depuis au moins 2 ans, c'est les barrettes. Voilà, tu l'as peut-être remarqué, j'adore les barrettes. Et il se trouve qu'elles ne vont nulle part. Ça, c'est, tu vois, les tendances 90-2000. Là, ça fait au moins 2 voire 3 ans que c'est là et ça ne s'arrête pas, ça ne va nulle part. Et moi, j'en suis extrêmement heureuse car vraiment, j'adore ça. Ça habille une chevelure finalement. Et cet été, j'ai remarqué que je vois de plus en plus de barrettes type sirène, coquillage et tu vois, genre créature magique de l'eau. Et vraiment, moi, j'adore parce que si on pouvait enfin dire adieu aux licornes et dire bonjour aux sirènes, très heureuse parce que les licornes, ça va, on les a assez vus maintenant. Maintenant, c'est les sirènes et les coquillages. L'hippocampe is the new licorne. Qu'est-ce que ça va enfin prendre là cette tendance? Pas des hippocampes. D'ailleurs, si tu veux savoir quel est ton nom d'hippocampe, rends-toi sur mademoiselle.com. J'ai fait un test pour que tu saches quel est ton nom d'hippocampe. Ensuite, une autre tendance que j'adore et qui est vraiment une grosse tendance à part entière, genre c'est pas juste une tendance d'un vêtement, d'une pièce ou d'un style de coupe, c'est vraiment une grosse tendance qui est lifestyle, c'est vraiment limite ouais un mode de vie, une esthétique à part entière, et c'est le cottagecore. Si tu veux vraiment avoir des précisions là-dessus, j'ai fait tout un article sur mademoiselle.com, mais en gros le cottagecore c'est cette idée de slow life, de vivre dans la campagne, dans une contrée bucolique, de s'occuper de son petit potager, de ses fleurs et tout. Alors tu n'as pas besoin d'être dans la campagne justement pour faire ça en fait, c'est une esthétique en fait. Par exemple, moi si je voulais faire cette tendance, j'aurais pas besoin de déménager à la campagne. Je pourrais tout simplement retravailler ma décoration, foutre des plantes, des fleurs, des miroirs ornés et me balader comme ça avec des robes très romantiques, blanches souvent, à dentelle, inspirées prairies, genre robe de maison, chemise de nuit du 19e, 18e siècle, tu sais. Très romantique finalement. Parader ainsi, retravailler l'esthétique de mes réseaux sociaux. Voilà, c'était toute une mode à part entière et aussi une esthétique. Mais il n'y a pas de coupe particulière en fait. C'est des robes souvent romantiques avec justement des bandanas, mais plus dans le sens des fichus. Tu vois, pas des bandanas ultra street, vraiment des fichus comme ça, blancs ou à fleurs. Et c'est très éthéral et je gambade dans une prairie. Car oui, tu tapes cottagecore sur Pinterest aussi, tu trouves plein de choses et tu plonges dans cet univers. Et voilà, moi je m'y suis retrouvée un peu plusieurs fois comme ça, à faire défiler des pages de cottagecore et à me dire waouh, la campagne. Une autre tendance de l'été que j'aime beaucoup, c'est le pantalon large. Alors moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je déteste les pantalons à la base, surtout les jeans. Je ne comprends pas l'intérêt, c'est une souffrance, c'est pas bien, on est à l'étroit dedans, je déteste. C'est vrai que comme n'importe quel individu, je me sens à l'aise dans un jogging, tu vois. Sauf que je me sens à l'aise dans le sens confort, mais je me sentais pas forcément à l'aise à sortir avec, parce que moi j'aime bien apporter des jupes, des robes, tout ça, tout ça. Sauf que récemment, enfin depuis quelques années, la tendance du sportswear est bien présente et du coup le jogging se démocratise vraiment de plus en plus et donne même naissance à des nouveaux styles de pantalons, toujours dans le confort et la pratique et la non prise de tête finalement. Donc par exemple il y a le pantalon cargo là, inspiré du vestiaire militaire qui est revenu aussi, il y a voilà le baggy des années 90 et il y a plein de types de pantalons larges qui sont revenus et il se trouve que maintenant que c'est pas juste un jogging que tu trouves chez Decathlon ou chez des marques de sport, et eh bien il y en existe de tous les styles, de toutes les couleurs, de toutes les formes et j'en ai trouvé qui me plaisaient. Je m'en suis donc procuré un ou deux et maintenant parfois j'en porte et avec par exemple un crop top, et eh bien j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ou un tube top, tu sais, un tube top, c'est genre un bandeau comme ça, tu mets le bandeau. Et c'est aussi une des tendances de l'été. Le pantalon large, c'est génial. Ensuite, il y a que j'aime beaucoup, c'est le crochet. Il y a plein de choses cet été qui sont faites en crochet, pas en crochet genre Captain Crochet, en crochet genre tricoté quoi. Donc c'est des petits hauts en crochet comme ça. Et oui, c'est des hauts d'été, oui, tout à fait, parce que c'est pas parce que c'est en crochet que eh bien c'est chaud finalement. Ça peut être toujours avec des matières
comme du coton par exemple. Et ce que j'aime beaucoup avec cette tendance, c'est qu'en fait il y a beaucoup de maillots comme ça crochetés, ce que je trouve ultra stylé en fait. Un maillot crocheté, c'est quand même fou, et en même temps c'est pas si fou parce que sache que les premiers maillots de bain étaient en laine. Et les femmes elles arrivaient là comme ça avec leur laine et tout, après c'était lourd et tout. Et ben tu vois maintenant on fait des petits crochets et tout, et franchement c'est trop stylé. Donc prépare-toi à me voir avec un maillot de bain en crochet, j'aimerais beaucoup avoir un maillot de bain en crochet. Et il en existe en plein de couleurs, donc il y en a beaucoup dans les couleurs pastel, comme je disais, c'est une des couleurs phares de l'été, n'est-ce pas? Et il y en a aussi dans des tons beaucoup plus colorés. Souvent, c'est des petits tops, soit des petits dos nus, des petits crop tops, tu vois. Forcément, si tu utilises du crochet, tu vas pas faire un truc trop couvrant, sinon tu vas avoir chaud. Donc c'est souvent des trucs très ajourés, très petits, très moulants, oui. Et je trouve ça ultra mignon, ça fait très exotique finalement. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, la dernière tendance de l'été dont je voulais te parler, c'est l'imprimé marguerite. Mais vraiment marguerite, car l'imprimé fleur, ça c'est vraiment tous les ans, tous les étés, tous les printemps, à tel point que personnellement, j'en soupe. On dit j'en ai soupé, est-ce qu'on dit j'en soupe? Bon voilà, j'en soupe. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que là, eh bien, l'imprimé fleur phare, en ce moment, en tout cas qui monte, c'est les marguerites. C'est un imprimé, tu sais, qui était très porté pendant les années 60. Des grosses marguerites comme ça sur les robes et tout. Je trouve que depuis, on l'a pas vraiment revu. C'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis, l'imprimé marguerite, pour le coup, c'est assez nouveau. Enfin, depuis quelques décennies, quoi. Donc du coup, je trouve ça rafraîchissant. Moi qui aime pas trop les imprimés fleurs, tu sais, un peu brouillon, rose, machin et tout. Là, je suis très contente parce que ça fait des petites fleurs comme ça, claires, nettes et précises. Et très mignonnes, et c'est très graphique et très pop. Ou j'aime bien aussi quand c'est brodé sur les sacs, même les chaussures. Et même sur les bijoux, je trouve ça très mignon. Je trouve que c'est un design, si je puis me permettre, qui est assez fort et précis. Tu vois, c'est une marguerite, tu vois, c'est comme un cœur, tu vois, c'est un cœur. Pas un truc flou, un peu étrange, c'est vraiment une marguerite et tout de suite ça peps, tu vois, c'est blanc, il y a un cœur jaune et c'est parfois sur des matières colorées, donc ça peut être sur d'autres couleurs, peu importe sur quoi tu les mets, finalement ce sera très mignon et vraiment ça booste quoi, ça met de bonne humeur les marguerites, moi je trouve. Et voilà, c'est tout pour mes 10 tendances préférées de l'été. Évidemment, comme je le disais, il y en a plein d'autres des tendances. Il y en a tellement des tendances tous les jours qui émergent de partout. C'est assez fou, mais voici en tout cas les 10 principales tendances auxquelles je pense là en ce moment. Si tu me dis quelles sont tes tendances préférées de l'été, c'est celle-là, tu vois. Donc voilà, mais probablement que dans 2 jours, il y aura une autre tendance qui va popper et que je vais ou pas adorer aussi. Donc nous verrons. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu aimes bien m'entendre tergiverser sur les tendances, eh bien n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires et à m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type. J'en fais jamais, donc je ne sais pas du tout ce que tu en penses, donc vraiment dis-moi si tu aimes ça. Et puis laisse un pouce en l'air ou en bas, parce que tu fais ce que tu veux, la liberté, tout ça. Commente si tu veux, abonne-toi aussi, hein, et fais tourner Let It Glow, c'est cool, Let It Glow, ça It Glow. Et donc voilà. Bonne soirée ou bonne matinée ou bon souper et surtout n'oublie pas que c'est en apprenant qu'en faisant